Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Doc Norfolk pour un nouvel épisode de PUBG, un épisode défi avec Fox Dice. Salut Fox. Salut à tous, comment allez-vous? Alors vu qu'on est sur Miramar et que ça tombe trop bien, c'est le moment de se faire un petit défi calibre 12. Donc c'est uniquement les pépons. Les pépons, certains diraient les gauges, ça tout ça. Donc le fusil de chasse, le fusil à pompe classique, le canoncier et le S12K. Voilà. On sera vénère. Non, on va mourir. Mais non, on va pas mourir. Mec, moi je sais plus jouer au jeu. Oh, la texture de ce truc, c'est moi ou ça c'est gris et pas beige? Oui, ça c'est gris et pas beige. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est ça le jeu le plus vendu du monde. De l'année 2017, bah, c'est vraiment de la merde. Hein. Viens, on va loin, mec. Ouais, bah on va aller super loin. Genre, Valais d'Almar. Valais d'Almar. Ouais. Super au sud, hein. C'est pas grave, il y aura des voitures, on va monter et on va tout déchirer avec le calibre 12. Ouais, bon après on va un peu en ville pour pas grand chose, jusque justement pour que des pompes. Ouais, bon, non, c'est pas mal, vas-y. Aziz, ça marche. Aziz, ça marche. Aziz, lumière. Ça marche. Ça y est, ça commence. Ah là, il y a une grosse grappe. Hein. Là, il y a une belle grappe. Là, on sera pas nombreux sur la fin. Allez, je saute. Me too. En fait, c'est sur le plein loin. Faut que je vise là-haut. Faut que je vise le sien. J'allais dire, il y avait un mec déjà qui tombait avec nous, mais non, finalement, il a backdash. All simplement. All simplement, tout simplement. Je crois qu'il faut ouvrir les paras. Les parages. Vas-y, moi j'ouvre mon parachute. Tout de suite, moi, c'est ouvert. Mon parachute. Ouais, tu veux t'écraser comme une de merde. Bien sûr, on a droit aux grenades et tout ça. Ouais, bien sûr. Évidemment. Toujours droit aux grenades. Moi, un défi sans grenades, je suis triste. Surtout que c'est vraiment pas très utile de faire un défi sans grenades. Trop peu de gens en vrai servent des grenades. C'est vrai. Moi-même, j'ai pas trop le réflexe. Ouais. Après, ouais, y a souvent ceux qui utilisent la fumée. Ça marche, c'est encore pas mal utilisé. Une frag en poche, il y en a certains qui s'en servent. Moi je suis le mec, quand j'arrive dans le dernier carré, j'abuse des grenades. Quand j'arrive vraiment à la fin et que tout le monde commence à être à portée de grenades, si je peux en avoir 10 sur moi, je suis heureux. Grenade power. Putain, il fait vraiment les premières baraques alors que vraiment t'es un mec comme ça, toi. Comme ça, tu peux faire la deuxième. Va à gauche vers l'église là. Hein. Putain, AK-47, ma gueule. Enfin, AKM ou je sais pas quoi. Ah, bah ouais, mais non. Ils m'ont appelé. Ça fait mal, l'AKM. Non, AKM. Ah non, AKW, c'est. On peut peut-être mettre des cartouches de 12 dans une AKM, je sais pas. Ouais, bah non. Tu peux tester, hein, après, hein, rien ne t'empêche. Hein, mais bon, vu que tu ramasseras que du 12, ça sera un peu la tristance, quoi. La tristance. Mais c'est pour faire peur aux gens, je leur montre que j'ai une AK, comme ça ils reculent. Bon, généralement, les gens dans ce jeu, ils te tirent dessus, ils ont pas trop le temps de regarder ce que t'as. Hein. Ouais. Ils s'en foutent en général. Par contre, oui, le gilet 1, je le prends quand même. Je suis pas un mec comme ça non plus. La pauvreté... Alors, j'ai des cartouches sans armes, c'est con. Ça, c'est con. C'est le style. C'est le style, monsieur, c'est le style. J'ai un sac 1, si t'as toujours pas de sac. Oh, ils ont lâché le conteneur pas très loin. Si c'est bon, j'ai un sac 2. Je suis en termes de savac. Ah, une choque, je la ramasse. La batté. La S12K. Le gilet 3. La S12K. Il y a un casque 2 ici. Intéressant. Casque 2. Repose-pouce. Le temps, moi, avec leur connerie là.
couscous. Tu parles de couscous, je me chouris. C'est un plan. C'est quoi ça? C'est une 4X? Une 4X. 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 Ouh, la M24. J'avais vu tout ça. Un casque de. Merde. Hop là. Il est où ton casque de. Je me souviens plus. Bravo. Bravo, bah, le vous. Hein. Regarde la vidéo que je suis en train de d'enregistrer et tu me diras. Exactement. Elle enculé. Ouais. C'est dans le cul. Le sale bâtard. Tarba. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça peut être bien ça. Ça c'est toujours cool. Ça c'est une grenade. Ça c'est très cool. J'aime la grenade. Oh, un petit rollback dans le mur. Ça fait plaisir. Non, on est en zone, mais d'où est-ce qu'on est en zone, quoi? C'est trop bien. On pourra looter toute la ville pendant une demi-heure. Il faut, parce que j'ai toujours pas de calibre 12, moi. J'en ai pas un seul, j'ai rien. Putain, c'est la map au 12, quoi. Et j'ai pas de 12. Ah, oh, c'est tellement la misère. Le kick à... J'ai un... Ah non, non, j'ai rien. Je prends pas. Tu sais que t'as le droit d'interagir avec les portes, hein. C'est autorisé. Ouais, mais moi je suis un terroriste, donc je casse les fenêtres. D'accord. Mais moi je suis un terroriste, lol. Ah bah voilà. Un petit S12K, on discute. Alors, j'ai la petite poignée. Ah non, il prend pas la poignée, lui. Il prend que le chargeur rapide. Et il me faudra un embout pour ce con. Encore une fenêtre. Ouais, si je trouve un point rouge, ce serait cool aussi. Par contre, sérieux, j'ai les trois, mais alors le casque 2, va te rhabiller, quoi. C'est genre non. C'est genre non, hors de question. Ouais, 3X, c'est un peu trop là, mais bon. Ah, ok, il y a que du calibre 12 dans ce. Dans cette salle, quoi. Je sais pas ce qui m'arrêtait, il y a quelque chose qui m'arrêtait, ouais. Bon. Le cerveau, il a fait stop. Mise à jour. Il faisait une mise à jour, ton cerveau, ou bien. Non, non, je croyais que j'avançais plus à cause de quelque chose, d'un objet invisible, mais ce n'était pas le cas. Bon, il me faut absolument les XXL pour les S12K là. Sinon, c'est la moitié de la Vega. Franchement, pour la ville où on est, c'est un peu triste de pas l'avoir, quoi. Le XXL, ouais. Ouais. Moi, perso, là, c'est un peu la tristesse, hein. C'est un peu ce que je regrette actuellement. C'est bien, je l'ai, mais j'ai juste un rapide dessus. Hein. J'ai pas trouvé un seul XXL, alors que clairement c'est la ville. C'est d'ailleurs le casque 2 aussi, c'est une option qu'on a oublié d'activer sur la map ou quoi? J'ai pas acheté de DLC? Comme dans Arma. C'est ça? C'est quoi l'histoire? Le DLC hélicoptère. Ah putain. DLC sniper aussi. Fais longtemps un petit Arma aussi. Ouais. Ouais, j'aurais bien repris la map où on était tous là dessus. Où on avançait jamais. Antistasie, c'était... antistasie. Ouais, c'est ça, antistase, antistaminique. Tout ça. Les trucs qui sont bons pour la santé. Mais jeu de merde. Mais vraiment. Mais jeu de merde. Ah non, mais là vraiment. Bon, on va pas galérer ici pendant 15 jours. Je m'en fous. Salut. Non, c'est un rapide ça. On s'en fout. Pareil, moi je vais donner une idée au hasard, mais les soins aussi c'était un DLC. J'étais pas au courant, j'ai oublié de l'acheter aussi, c'est ça? J'ai 4 trousses. Hein. Ah, d'accord, non, excuse-moi, c'est toi qui as pris tout le DLC. Ah, j'ai loué le DLC moi pour 3 jours. Loué le DLC pour 3 jours. Lol. Le DLC soin. Non mais c'est sérieux. Alors, j'ouvre des apparts, ils sont vides. Y'a rien. C'est la ville. Ah non mais c'est nul. Oh, ah, quelques balles. Ça c'est cool. Oh, des bandages complètement pétés. Je trouvais des bandages. Mais complètement pétés. Mais j'ai craqué le jeu. Je trouve fort.
Bon, je vais te report. DLC. Ah non, mais vas-y, bah, report. DLC report. J'ai fait cette maison, non. Elle me semble curieusement familière. C'est peut-être parce que toutes les maisons se ressemblent. Ça va être ça. Ah, un autre chargeur rapide. C'est bien. On progresse, hein. Alors, si vous voyez ne pas marcher droit, c'est parce que je suis en train de fumer en même temps. Attention, hein, y en a qui disent que c'est interdit sur YouTube de dire qu'on fume. Hein. Tu fumais pendant une vidéo, incitation à la consommation. Tu veux que je donne la marque de ma cigarette? Oh bah non. Ah oui, bah si, ça fera un placement de produit gratuit. Ah si, ah ouais. Si, vas-y. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Ah ouais, vas-y. Aziz, je te dis. Aziz. Aziz, je te dis. C'est entre un gars, il s'appelle Maurice, et l'autre, il s'appelle Philippe. Philippe. Alors, j'ai un chargeur rapide pour toi si tu veux. Non, c'est bon. J'ai déjà mon S12K avec mon chargeur. D'accord. J'ai plus que. Et j'ai un S. Comment il s'appelle ? 1897. 1897, tu veux un XXL ? Ouais, je veux bien, ouais. Parce que moi, je suis en full S12K en fait. Et surtout, je veux bien un casque 2 si jamais un jour t'en revois un. Inch'Allah. J'en ai pas trouvé un seul gars. Putain, il peut pas le laisser tranquille là une seule seconde. Hein. C'est vraiment. T'es vraiment relou quoi. Oh merde, j'ai encore pas de la vie. Super. J'aurais pas dû sauter. Chet. Mais je m'en fous, j'ai une boisson. Chet. Tan. Ah, il y a le bec canard, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça là. Le bec canard. À quoi ça sert? Je sais pas, on verra bien. Bon, il y a la zone, je me casse. Merde, il y a la zone, je me casse. Heureusement que j'ai prévu qu'il y avait la zone. Hein. Je me casse. Alors, sérieux, t'as pas vu un casque 2 y a... dans toutes les baraques que t'as Je crois que j'ai des mecs en face, mais je suis pas sûr. Non, y a pas de. C'est un effet visuel. Bon, on va retourner au. Plein de bandages, là, je... On va retourner à l'église et je vais te trouver ton casque 2, tiens. Ouais, parce que je crois qu'en fait le seul était vraiment à l'église, quoi. Enfin, il y avait celui que t'avais et puis il y a celui de l'église, quoi. Ouais, mais c'était pas dans l'église, c'était dans une maison à côté de l'église. Yes, ok, ça marche. Putain, le vent souffle en Île-de-France. C'est bien, on est content de le savoir. Oui, mais il y a peut-être qu'il me balance tout sur mon clavier. Alors, c'était peut-être là-dedans. Dedans. Est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer un truc ici? Allez, une petite tentative d'arnaque. On va vraiment perdre du temps pour un casque 2? Bah ouais, mec, j'ai qu'un casque 1. Hein. Je me prends une balle, je suis par terre. De toute façon, on n'a pas l'intention d'aller ailleurs, on est en zone. On s'en fout. Plus maintenant. La valise RTL. RTL 2. Placement de produit gratuit. Raté. Mais ça s'est très bien passé. Je suis content. Quand tu me l'as dit, je crois que t'étais encore à l'église ou quasiment dedans, mec. Non, Lucas, ce n'est pas à l'église. Il est dans une maison à côté, mais je sais pas où. T'as fait les maisons devant, là? Ouais. Bon, bah laisse tomber, hein. On va pas perdre 3 minutes à chercher un casque. Un SECA. Moi, je vais plutôt perdre 3 minutes à chercher une voiture. Je suis d'accord avec toi, je perds 3 minutes pour chercher le casque là. Parce que c'est moi qui en ai besoin après tout. La zone est loin. Ouais, parce que la zone est à l'opposé de la zone actuelle. Ah, bon bah je vais prendre 3 minutes pour courir à pied. C'est ça. Ah, oh, ça me désespère Albert. Non, le cache là me servira à rien. C'est pas grave, je le laisse, de toute façon, c'est pas pour le poids que je trimballe.
Tu vas sur cette route, moi je vais sur la route du haut, pour voir s'il y a une voiture. Une voiture, une voie là. En tout cas, on s'assure une place de classement tranquille. Hein. Bon, c'est moi qui conduis, hein. Ne fais pas yes. Ah, et si on n'est pas d'accord? Si on n'est pas d'accord, t'as tes pieds, tu vois. En plus, c'est une moto. En plus, c'est une moto. Tu sais, mes pieds, franchement, je les trouve vachement bien conçus. Tu viens ou tu viens pas? Super vite à pied. Non, je dis tout seul. Fais pas yesh, là. Te voir conduire. Les gens ont peur. La France a peur. La zone est très loin. Fais pas yesh. Tu penses qu'elle est très loin? Moi, je pense pas. Sinon, je t'écrase. Bon, allez, je me casse. Tant pis pour toi. Salut! Je fais des flip backflip. Oula! T'inquiète, gros, moi je cours tout droit. Ouais, je conduis trop bien, je suis déjà tombé de la moto. Alors que ça montait, hein. On sait pas comment t'as fait. Eh bah, je sais pas, une roue libre. Petite roue libre à l'ancienne, t'as vu? Allez. Oula! Eh, t'avais pas un chargeur XXL avant pour moi, avant que tu te pars en moto? Si, tiens. On va sur la route, on va sur la route. Bon, vas-y, conduis, fais pas chier. Ah. Gars, c'est un gamin, quoi. Tiens, prends le chargeur électrique. Tac. Vite, la zone. Vite. Bah, allez, je t'attends. Ouais, t'es marrant, toi. Le temps de monter, descend deux fois. Ouais. Surtout que j'ai pas voulu prendre la place pendant que t'étais pas dans, à l'avant, quoi, c'est possible. Tu peux t'asseoir directement sur le siège arrière, mec. Ouais. C'est une idée, ce jeu. Je sais pas où on va. On va devant, vas-y, entier. Là, on passe par Power Grid, là. Le chemin, c'est là, on est. Par la gauche, ouais, je pense. Voilà comment mourir. Nous on est pas mort, hein. Désolé de te dire ça, mais moi perso je suis pas mort. Je voulais l'annoncer avant. Je trouve que t'as un mort qui galope quand même très très vite si jamais t'es mort. C'est X pour s'allonger. Je pense pas que ça soit la meilleure map pour jouer aux pompes en fait. Ça dépend, en ville on a toutes nos chances, mec. Mais perso, moi je vais me camper là-haut, là où il y a les machines, tu vois. Pour attendre quelqu'un. Et non, je vais me soigner tranquillement. Je me mets un petit antidouleur. Parce que je suis un type yerbe. Donc je me mets yerbe. T'as y'a aucun moyen de viser. J'avais une fois 3, mais je me suis dit ça sert à rien. Et à un moment donné, ouais, je rentre à l'évidence. Sur un de mes fusils. J'observe quand même la Chumacera, si ça sort de la Chumacera. Bon, si y a la Chumacera, il y a du monde à la Chumacera. Oh là là, on est quasiment en zone. Bon bah, on campe la Chumacera, si tu veux camper la Chumacera. Bah, on va camper comme des connards, oui. Vas-y, on va à la Chumacera. Non, pas Chuma. On reste en hauteur, mec, regarde la zone. Mais en hauteur, on n'a pas de sniper pour tuer quelqu'un. Ouais, mais ça empêche quelqu'un de prendre la hauteur pour nous mettre une balle dedans. Parce que là par contre on pourra rien faire s'il y en a un qui décide de nous mettre une cartouche dans le dos. Moi je voulais aller dans les bâtiments de la Chumacera, comme ça. On puisse se protéger. Voilà, en sachant que Chumacera a été très largement avalé. Pekado, ça m'étonnerait que la finale zone ce soit sur Pekado. Alors, zone. On pourrait aller se caler dans un garage ou un truc comme ça, ouais, pas très. Il bien. Faudrait une bagnole pour ça. Ou un truc là par exemple. Bah on avait une moto il y a pas très longtemps. Oui, mais elle est en zone maintenant. Décider de fuir quand même. Pour traverser tout ça avec nos armes, on est dans la merde. Ah bah là, ouais, c'est pour le coup, ça tombe assez mal pour nous. On veut dire, on est full pompe dans la pampa où il va y avoir que des snipers encore. Encore, bien sûr. Évidemment, il n'y a que des snipers dans ce jeu.
passe pas devant moi, Coco. Hey, Coco. Il va faire un bruit à courir pieds nus, là. Oh, un petit molotov. Allez, le petit point rouge. Allez. T'as un level 2 ici. En termes de... Ah mais non, mais moi je suis froid. Moi c'est toujours le casque 2 que je cherche. Et rien du tout. Parce que là, on va jouer full sniper. Enfin, il va y avoir que des snipers, sauf nous, bien sûr. Ah, j'ai trouvé le dernier calibre 12. Allez. Tac. Et tac. Ah, j'ai trouvé un calibre 12 aussi. Mais pas de casque. Si, non. Pas le 2. Ah, par contre, il y a une petite bâtée pour toi si tu veux. Yes. Si tu veux t'arrêter quelques balles dans le cucu. Dans le fi. Bon, on va en face là en Nord 20. On essaie. Bah, sans aller. Attends, déjà je switch sur les molotov. Et sans aller jusque là, ça serait bien fait les 2-3 cabanes qu'on a juste à côté de nous là. Voir s'il y a une canette, une merdouille. On sait jamais, hein. Une netka. Putain. Ou un casque 2. Je viens de croiser un casque 1, ça m'a donné espoir. Un 20 espoir, certes, mais un espoir quand même. 20 espoir. Ah, deux casques 1, quoi. Ma vie est tellement horrible. Hein, le truc, il y a 3 casques. Pour crafter. Craft, craft. Craft ton casque 2 avec deux casques 1. Tu kifferais. Bon bah je suis parti hein. C'est que visiblement. Attends, je vais voir s'il y a du monde derrière nous. En vrai, il y a assez peu de chance là dans la montagne pure et dure qu'il y ait des mecs derrière nous. Et une nouvelle zone. Zoom. Ok. C'est où? C'est tout à l'est. Ok, on n'a pas contourné par le bon côté quoi. Ouais. Bah, c'est pas grave. Moi, on va se prendre une voiture. À contourner et puis voilà. Une petite tuteur. Bah, pourquoi on prend pas. Tu veux pas qu'on contourne tranquillement? Par un pécado. La zone est plus très grande. Hein. Ouais. Il nous reste une minute. On a personne dans le dos quoi. De toute façon, ça sert à rien d'avoir des armes dans la main là. Je range mes armes, on range nos armes, on contourne rapidement. De la rapidité rapide. Y'a des mecs sur site là. Ouais, on fait. Vas-y, on avance, on avance. Pour l'instant, il ne m'a pas vu. J'ai pas tiré, il ne m'a pas vu. Il prend une voiture. Il se casse, ou il se casse. Ah non, ils viennent pas sur nous. Ils prennent deux voitures. Ah, les bâtards, ils ont pris les deux voitures. Bon, vas-y. On prend le même chemin qu'eux, mais en. C'est peut-être d'autres mecs, hein. Mais si. En 23 mecs. Oh là là. Lucas. On prend le même chemin qu'eux, mais à pied, vas-y. C'est-à-dire la ligne blanche, quoi. J'ai même pas le temps de chercher un putain de casque de chenille. Il reste 40 secondes, mec. Hein. La gaffitude, hein. Faut faire gaffe. Ah, c'est bon. Attends, 2 secondes. Yes, j'ai mon casque 2. J'arrive. Putain. T'es où? Ah oui, ranger les flingues. T'es par là. Bah on va pas sur là où ils sont hein. Bah non. Sinon on peut recontourner par la droite en fait hein, puisque on vient de droite, on sait qu'il y a rien à droite. Ouais, surtout qu'il reste 50 secondes, il reste 20 secondes. 16 secondes. Oui, avant que ça se rabatte. Après n'oublie pas qu'on est sur le côté le plus large donc c'est là que ça va se rabattre le moins vite. Là normalement ici. Ah, on sait pas s'il y a des mecs là-dedans. Cette montagne est dans la zone ou pas? Pas tellement. Faut que je sois un peu ma map. Ah oui, j'avoue, on est loin. Ça rase de ses bords, on est loin. Je me voyais moins loin. Ça rase boule pas. Loin. Eh bien, il suffit d'appuyer sur égal. Et puis voilà, on court tout seul. C'est bien. Tu kiffes ou pas? Moi j'adore.
Je pense que là, tu vois, on peut courir vraiment, genre aligne-toi sur les pointillés et cours genre tout droit, vraiment. Bah c'est ce qu'il faut de toute façon, parce que là, elle va faire très mal la zone qu'on arrivera. En arrivitude, la zone va faire très très mal. C'est-à-dire dans 3, 2, 1, là ça va faire mal. Regarde la magnitude que ça fait. Oh là là, putain. Faut prendre une trousse dans pas longtemps. Est-ce que j'ai le temps de... Ouais, une trousse. Maintenant, ouais. Tu me gênes, bon, c'est adorable comment tu me gênes, merci. Désolé. Alors, du coup, je vais mourir à cause de toi, c'est bien. Moi, je suis content. C'est pas à cause de moi, tu t'es juste arrêté. Ah, si, c'est à cause de toi. T'es juste arrêté, arrête de faire ton... Hein. Non, mais c'est bon, je suis mort. Voilà, j'étais content. Je te relève, t'inquiète. Du coup, tu pourras récupérer le car 98 qui est sur moi. Car oui, j'ai triché depuis le début. T'as encore des trousses? Ouais, enfin, j'en ai une et je l'utilise, c'est la RTL. Non, je t'en donne une de trousse. Non, tiens. C'est bon, garde. Deux trousses à un mètre. Garde. Mais si je meurs et tu joues encore tout seul, tu vas pas venir sur moi pour récupérer mieux. Bon, bah là j'en ai une, mais une seule suffira. Là, moi je vais me caler un anti-douleur dans la gueule, voilà, pour avoir plus vite et d'avoir de la régène en continu à partir de maintenant. Et voilà. Et voilà, et maintenant on est les insectes rampants de PUBG. Moi je rampe plus. Faudrait pas qu'on descende sur les bâtiments devant déjà. Le truc c'est que les mecs ils vont tenir la colline d'en face. Il doit y avoir du monde en sud-est là, qui va nous viser bientôt. On va au village déjà, au premier village en est. On va devant là. Vas-y. Allez. Inch'Allah. Mes flingues, de toute façon ça sert à rien, on est aux pompes, faut courir, et si on tire dessus faut zigzaguer, c'est tout ce qu'il y a à faire. Quand on arrive là-bas tu sors un flingue quand même, parce que ça se trouve il y a du monde. Mec, sérieux. Ouais, il y a une voiture mal garée déjà. Sors un pompe. C'est bon. Ok. Où il se casse? Il y a la zone qui avance. On se casse. Attends, on a pas regardé ici. Il y a personne. Ok. Oui. J'ai eu très mal. Oh la batte. Je sais pas où est-ce qu'il tire. Ah si, il est juste là. Pompe, qu'est-ce que tu veux leur faire? Oh la douille, j'essaie de leur tirer dessus, tu peux rien leur faire. Bah c'était bien joué. Ou bah pas. Ouais, bon voilà, on en est à un stade où les mecs déjà ils ont pris que des loots de caisse, tu les entendais les gros. Mais bon, voilà, le mec, voilà, c'est ça, il a son petit sniper à la sortie de CS avec son AK. Les mecs ont des suppresseurs sur tous leurs flingues. Bon bah qu'est-ce qu'on dit à ta communauté? Qu'il faut jamais faire ça? Alors, que les fusils à pompe, c'est de la merde. Alors c'est pas de la merde, c'est rigolo en ville, si tu fais un saut en ville. Voilà, c'est rigolo. Mais, en début de jeu. Voilà, c'est ça. Bah après c'est de la merde. Ou alors bah en fin de game, mais voilà, pas comme nous, pas dans la pampa avec des montagnes partout. C'est la teuf du sniper. Bon bah on vous dit à plus alors. Ciao.